Coucou, c'est Laetitia, des Carnets de Céleste. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à dessiner une chèvre en quelques étapes. On commence par lui dessiner sa tête, comme un cœur, avec la base aplatie. Comme j'utilise des crayons épais, je prends un crayon gris pour venir lui dessiner les yeux. C'est plus facile pour faire les petits détails. Je lui fais un petit nez en forme de cœur, une petite barre en dessous et la bouche. Voilà. Je reprends mes gros crayons et hop, je lui fais des longues oreilles des deux côtés. Elle a une oreille un peu plus haute que l'autre. On colorie l'intérieur des oreilles. Et on peut ensuite tracer les deux cornes qu'elle a sur la tête. On peut les colorier. Voilà. Je trace son cou. Voilà. Ensuite, son corps, qui a une forme un peu particulière. Là, je fais en pointe pour la queue. Et voilà. Je vais déjà colorier son pelage. Voilà, on peut donner les couleurs qu'on veut. Je vais faire un peu gris. Ça permettra qu'on voit toujours bien sa corne. Voilà, un peu de gris là et encore la petite queue. Voilà. Les petits poils, les pattes, une, deux, trois et quatre. Ses sabots. Bien fort, qu'on les voit bien. Et puis, on peut colorier l'intérieur avec les couleurs qu'on veut. Voilà, je lui fais des petites taches par-ci, par-là. Un petit peu de marron là. Des petits points. On va lui mettre de l'herbe dans la bouche. Avec des petites fleurs, on trace l'herbe de la prairie avec des jolies couleurs, des petites fleurs, le petit nez tout noir. Et pour te montrer ce qu'on peut faire avec ces crayons, tu peux prendre un pinceau, de l'eau. Et c'est parti! Remplir de couleurs très facilement ton dessin. À bientôt !